Bonjour à toutes, enfin bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, il est quelle heure? Quelle heure est-il? Il est 23h24. Je sais, il est tard, mais je viens de terminer Pandora 4. Il y en a pour 640 pages d'informations en écriture assez grosse pour permettre aux personnes qui ont des difficultés à lire les petits caractères de pouvoir accéder à cette connaissance. Alors aujourd'hui, évidemment, à Paris, c'était un grand jour pour le CNT et puis pour beaucoup de Français qui avaient mais qui avait éventuellement l'espoir d'un changement, comme il était annoncé par son chef de file, Monsieur Floril. La manifestation s'est très bien passée, les CRS ont compris que les gens manifestaient pour défendre un collègue qui a été interné, qui a été interné suite à ces déclarations. Et évidemment, c'était des déclarations extrêmement importante, parce que pour la première fois, un policier, un enquêteur peut-être, un motard, un policier émérite de l'équipe ou du département des CRS a déclaré que M. Bérégovoy avait effectivement été assassiné. Et que Coluche avait été assassiné, ce que nous savions, mais sans en avoir de preuves. Pour la première fois, un policier affirme ce qui est. Comme il est motard, il doit certainement mieux savoir que nous, question assassinat de Coluche. Si vous vous souvenez bien, il est mort suite à un accident de moto. Et comme l'ont dit ses amis, ça a été vraiment pas du tout un accident. Donc ça, c'était la chose la plus importante. Ce que je regrette, Monsieur Floril, je m'adresse à vous, avec tout le respect que je vous dois, car je vous dois du respect comme chacun vous doit le respect. Monsieur Floril, quand on interviewe un policier qui, après de telles révélations, risque sa peau, eh ben, on fait l'effort d'en interviewer d'autres. Avant de balancer une telle information au public et évidemment au gouvernement. Parce que si vous aviez montré une quinzaine, une vingtaine de témoignages de policiers qui risquent leur peau et qui auraient témoigné justement sur des accidents ou des collègues qui se seraient soi-disant suicidés avec leur arme de service, eh bien, on n'aurait pas pu tous les interner. C'était pas possible. Là, on en a interné un, ce qui est très grave pour lui, parce que il méritait pas cela, mais on est face quand même à un rouleau compresseur, et j'avais cru que vous l'aviez compris. Vous m'avez donné un peu d'espoir, et puis cet espoir s'est envolé. Il y a parmi vos membres des gens extrêmement courageux. Je dois dire que je voudrais remercier Delphine, elle c'est ma grande amie et je lui envoie un gros bisou qui travaille auprès de vous. Et mon frère Claude, qui travaille auprès de vous, qui sont des gens d'un courage admirable, entre autres, plus tous les autres que je ne connais pas et qui étaient là. Et pour ça, il faut vraiment les remercier parce que j'ai écouté Delphine cet après-midi pendant que je faisais mes corrections et mes mises en page. Et je voyais comme elle était douce, comme elle était gentille, comme elle était dans le partage et qu'elle était convaincue de ce qu'elle faisait. Pour vous, pour nous. J'ai pas de leçon à vous donner, Monsieur Floril, et personne n'en a, mais quand on va à la guerre, on n'y va pas avec des papiers, on y va avec une stratégie.
Et je crois que ce qui vous a manqué, c'était la stratégie. Et je le regrette. C'est dommage parce que vous étiez à deux doigts de réussir. Mais vous avez échoué. Vous n'avez pas fait ce que vous aviez dû, ce que vous auriez dû faire. C'était une très mauvaise idée d'aller libérer cet officier de, ce sous-officier, je crois, de CRS à l'hôpital. C'était une erreur. Quand on a des troupes, il faut savoir sacrifier certaines de ces divisions pour pouvoir remporter la bataille. Or, vous avez sacrifié toute l'armée. Vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire. Et si vous vous étiez concentré directement sur l'Élysée, tous ensemble, eh bien peut-être que vous auriez marqué un point. Je pense que tout s'est cassé la gueule par un manque de stratégie et un manque d'exécution. Du moins, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Et c'est regrettable. En revanche, il faut savoir remercier le courage de ces Français, de ces citoyens qui ont été à Paris pour, eh bien, pour faire tomber un président illégitime qui appartient à une oligarchie monstrueuse, qui va transformer notre constitution, qui va détruire notre république et qui va nous mener directement vers un esclavage épouvantable. Alors je voudrais remercier solennellement mes compatriotes français qui ont eu le courage admirable d'aller à Paris et de défiler. Parce que les héros, ce sont eux. C'est pas le chef de file. Non, c'est regrettable. Je crois que quand on fait ce type de manifestation, et je crois ne pas me tromper, il faut savoir abandonner son ego au profit du peuple. Je le crois sincèrement. Et un chef qui a trop d'ego ne peut pas mener ce type de combat aujourd'hui. Évidemment, Napoléon avait beaucoup d'ego, Hitler avait un ego surdimensionné, mais c'était une autre époque. Aujourd'hui, les gens réfléchissent, ils ont besoin d'être convaincus par autre chose. Donc je regrette, malgré toutes vos immenses qualités, monsieur Floril, mais je crois que vous êtes responsable de l'échec de votre journée. C'est dommage. C'est dommage. Bon, je ne vais pas vous comparer à qui que ce soit. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Et puis, ce serait faire offense à l'un ou à l'autre. On n'est pas là dans la volonté d'offenser qui que ce soit. Mais moi, je vous dis ce que je ressens et je le ressens sincèrement. Et je suis vraiment désolé de cette journée, qui aurait pu être une grande journée et qui ne l'a pas été. C'est comme si vous n'aviez pas saisi votre chance. C'est un petit peu ça. Parce que d'un côté, vous aviez les forces de police avec vous, mais pas complètement. C'est dommage. Alors qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire qu'en fait on n'a plus d'espoir. Parce que pendant que le CNT défilait dans les rues de Paris, il y avait le Manchon là qui défilait lui aussi sur son bus. C'est là où on voit les moyens. CNT, pas de moyens, c'est populaire. Mélenchon, alors là, le bus découvert, on applaudit, on se prend pour les Beatles, c'est super. Je crois qu'on est un peu laissé à l'abandon, hein, le peuple. En dehors de Ruffin, bon, il est chez Mélenchon, mais par la force des choses. Hein. Mais en dehors de Ruffin, il y a la salle. Il n'y a pas grand monde, hein, qui représente le peuple. Et c'est assez désespérant.
C'est assez désespérant. Moi, monsieur Florille, j'ai cru en vous pour une chose. À cause des vaccins. Parce que vous êtes la seule personne qui a pris position contre les vaccins et ce que vous en avez dit était très juste. Pour le reste, la loi, c'est très bien, mais vous savez qu'elle est bafouée. Alors comment faire? Comment faire? C'est certainement pas l'Europe qui va destituer le président en place, puisqu'il applique les directives européennes, comme l'avait annoncé d'ailleurs c'est pas votre confrère, mais votre opposé principal qui est Monsieur Asselineau. Donc, je sais vraiment pas comment vous allez rattraper le coup et comment vous allez pouvoir motiver encore les Français pour une autre action qui serait sans doute nécessaire. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, il faut agir vite, très vite. Il faut pas laisser passer le temps. Et là, il faut vraiment réfléchir à une stratégie solide et efficace. Parce que c'est un petit peu n'importe quoi, ça. Et c'est dommage. C'est dommage. Et est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce que c'est un problème de message? Est-ce que c'est un problème de leader? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des mises au point qui doivent être faites et rapidement, pour mener à bien votre objectif. Et si votre objectif correspond au sentiment des Français, alors c'est effectivement ce qu'il faut faire de toute urgence. Disons qu'aujourd'hui c'était un galop d'essai, un galop pas complètement raté, mais pas complètement réussi non plus. Bon, je sais pas si ce que je dis a de la valeur. Je crois que ça n'a pas d'importance, c'est juste la vie d'un citoyen qui se bat pour son peuple, parce que je me bats pour le peuple français depuis quelques années déjà, en publiant mes livres pour les informer, pour informer mes concitoyens des dangers qui les menacent. Je prends beaucoup de risques, mais ça n'a pas d'importance puisque mon objectif, c'est de sauver les enfants. Alors peut-être que si vous aviez l'objectif de sauver les Français, il fallait prendre un petit peu plus de risques. Je sais pas, je sais pas. C'est mon avis, je suis pas. Je suis un tout petit peu contrarié. Oui, un petit peu contrarié parce que comme d'habitude, on a le sentiment que les leaders se moquent un petit peu du peuple. Là, on a des gens qui connaissaient pas le CNT, qui l'ont découvert. Je sais pas, moi, il faut communiquer, hein, mon vieux, hein, il faut y aller, hein. Il faut pas être tout simplement soi, il faut qu'il y ait d'autres personnes du CNT qui fassent des vidéos, qui présentent le CNT, qui représentent. Imaginez si le chef disparaît, ça veut dire que le CNT disparaît. Il ne peut pas y avoir un chef. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Et je vous dis ça, j'ai pas envie de prendre votre place. Hein. Ah non, je prends déjà assez de risques avec la mienne. Non, 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 pas question. Non, non, je vous dis ça. En tous les cas, c'est ce que je ferais, moi. Je mettrai plusieurs personnes de confiance et de compétences égales qui pourraient se substituer au cas où. Au cas où. Bon. Voilà. C'est à peu près tout. Bientôt, Pandora 4 sera disponible. C'est un gros, 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 gros travail. Déjà, Pandora 3, c'était dans les 500 pages, là, il y a 200 pages de plus. Bon, c'est vrai, on n'est pas payé à la page, hein. Je suis pas Balzac, hein. C'est pas ça. Mais si vous voulez, les conférences de 2017, eh bien, les choses évoluent. Les choses évoluent et la science évolue et les articles évoluent et les informations arrivent. Donc, pour ceux qui ont suivi mes conférences de 2017, eh bien, Pandora 4, c'est la deuxième partie des conférences, mais
largement augmenté, très largement augmenté. Et donc vous pourrez en bénéficier dans quelques jours. Alors j'ai pas mis le livre trop cher justement pour vous permettre de l'acheter parce que 600 et quelques, 80 ou je sais plus exacte page, je vous l'ai mis à 29,99 parce que je peux pas le vendre moins cher. J'ai des directives Amazon. Ça ne veut pas dire que je vais gagner beaucoup d'argent dessus, pas du tout. C'est les coûts de fabrication. Et puis de toute façon, il n'y a quasiment aucun bouquin sorti par les grands éditeurs à 650 pages pour ce prix-là. Jamais. Alors, j'ai corrigé, recorrigé, recorrigé. Il y aura peut-être des coquilles. J'ai pas de correcteur. Je fais tout moi-même. Je fais tout, la maquette, la correction, je fais tout. Je m'épuise à faire ça, c'est très très dur. Donc voilà. S'il y a des coquilles, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le contenu. Et le contenu est absolument édifiant parce que dans Pandora 7, déjà, je vous apporte des preuves à propos de la vaccination, qu'elle ne respecte pas les objectifs, promis par les labos, déjà. Et je vous apporte des preuves que les scientifiques aujourd'hui, cherchent un autre moyen que la vaccination pour, eh bien, pour soi-disant, protéger les humains. Mais protéger les humains de quoi? Des virus que les laboratoires fabriquent et injectent? Donc c'est toutes ces réflexions qui sont des réflexions scientifiques, qui sont des réflexions philosophiques, vous les aurez dans Pandora 4, très bientôt disponible, je vous assure. Très très bientôt. Je devrais le commander moi-même parce que vous voyez, moi j'en ai pas des gratuits, des livres. Il faut que je les achète moi-même. Comme vous. Exactement comme vous. Donc voilà la petite histoire. Bon, petite vidéo que j'ai décidé de faire rapidement maintenant parce que il faut en parler quand ça sort, il faut combler les attentes des gens qui sont très déçus et puis qui se disputent inutilement. J'ai posté un commentaire sur ma page Facebook et puis les gens se sont crêpés le chignon. Je vous en prie, ne vous battez pas, c'est pas vous qui devez vous battre entre vous. Vous devez vous battre contre votre ennemi. Et votre ennemi, c'est ce pouvoir, c'est cette oligarchie, c'est cette franc-maçonnerie qui veut supprimer, qui veut vraiment éradiquer toute forme de chrétienté en France. Et je crois que vous ne l'avez pas encore compris, mais c'est cela l'objectif de la franc-maçonnerie, c'est la destruction du pays chrétien. Et ils se servent de l'islam pour détruire ce pays chrétien. Et une fois que ça sera fait, ils détruiront l'islam. C'est leur objectif, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc nous sommes dirigés par des malfaisants qui vont pas du tout aimer ce que je dis ce soir, mais peu importe, de toute façon, tous les socialos francs-maçons l'ont déjà déclaré. Vous pouvez écouter leur déclaration sur YouTube. Vincent Peillon qui veut mettre en place une nouvelle religion. François Hollande et toute sa bande, toute sa clique de voyous, qu'on a retrouvés d'ailleurs trop longtemps, trop longtemps. Et heureusement que le fils prodigue a trahi, mais parce qu'il sait faire que ça, mais il a pris d'autres incompétents. Enfin, c'est catastrophique. Je ne reconnais plus mon pays, ce pays que j'aime, cette culture que j'aime. Je ne reconnais plus rien ici. Je suis assez dépité. Dépité du visage que prend mon pays, la France, que j'aime passionnément. En tous les cas, certainement plus que le président Macron. Bon, allez, ça suffit pour ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne fin de samedi. Et puis, j'ai perdu mes lunettes de vue. Mes lunettes de lecture, vous vous rendez compte?
Je les laisse toujours sur la table de la salle à manger. Elles ont disparu. Je suis un peu désespéré aussi pour ça. J'ai perdu mes yeux. Bon, allez. Salut à tous.